Adam, déjà tout jeune, était dur de la feuille. C'est du moins ce que prétend Ève dans ses mémoires. Mais ce qui se cachait vraiment dessous la feuille, Ève qui aurait bien aimé, n'a jamais pu savoir. Il touchait ses péchés, ils l'ont dit à la messe, protestait effrayé ce grand dadé dévot. Quand elle le suppliait, fais donc moi voir mes caisses, que caches-tu sous la feuille, quel trésor, quel joyau. Il n'y avait alors dans tout cet univers qu'un seul homme et ce n'était pas un joyeux luron, mais un ratiocineur, un calotin sévère dont les ayatollahs montaient le bourrichon. Ève était libre et belle, faisait fi des usages qu'un vieux barbon râleur voulait leur imposer. Adam, il l'avait fait, fidèle à son image, pour sûr qu'entre elle et lui, ça ne pouvait pas gazer. Les nuits de pleine lune, Ève était bien tentée de soulever le voile qui lui masquait la chose. Ce fruit bien défendu, pouvait-elle y goûter? Qu'en coûterait-il vraiment qu'au grand boss elle s'oppose? Mais Adam ne dormait que d'un œil soupçonneux, on l'avait prévenu, les femmes sont capables des pires témérités. Frivoles, elles font un jeu des saintes écritures, des propos respectables. Adam qui se doutait qu'un jour sa vigilance, Ève qui était pourtant née de la première pluie, saurait la déjouer pour cette circonstance, engagea un serpent qui surveillait leur nuit. La suite, on la connaît, elle est des plus classiques. Dans un ménage à trois, il y a toujours un perdant. Adam fit les frais, rien n'y fit ni cantique, ni prière, ni carême. Dieu lui gardait une dent. Mais j'en vois qui s'inquiètent. Va-t-on enfin savoir ce qu'Adam sous la feuille tenait dissimulé? Quel merveilleux outil, quel puissant accessoire à la curiosité d'Ève avait-il soustrait? Certains pensent tout bas, il ne sait plus comment finir sa petite histoire qui n'a ni queue ni tête. Fallait-il qu'il en fasse vraiment tout un roman, si la chute ne dévoile pas l'objet de sa quête? Hélas à vos questions, personne réponse n'a. Le serpent inconstant lui ayant fait faux bond, Ève une fois sur la terre d'Adam se détourna, espérant trouver là
gaillard moins pudibond. Adam est mort hier à l'hospice communal, saint de corps ni d'esprit dans le plus grand dénuement. En plus sourd comme un pot, c'était congénital. Sous la feuille il n'y avait plus rien depuis longtemps. Parce que lors de la chute, Dieu saisi d'un remords, voulant soustraire Adam à son destin tragique, attrapa sous la feuille un truc comme un ressort. Adam fut le premier au saut à l'élastique. Mais après deux ou trois rebonds comme un yo-yo, l'élastique cassa, Adam tomba par terre. C'est comme ça qu'on récompense les faillots, désormais interdit de voyage à Cythère.